Et dans le ciel de la Corée du Nord, eh bien, un jour, sont apparus ces avions. Ça n'est pas accepté encore. En fait, la Russie, enfin l'Union soviétique, avait fourni les avions, mais avait également fourni les pilotes et les mécaniciens. Ces pilotes, ils avaient contre les Allemands. Ils étaient extraordinairement expérimentés. Ils savaient ce que c'était que le combat aérien. Et on leur avait imaginé ce petit avion, ce MiG-15. Cet avion, il est trapu, il est petit. Il a des ailes qui sont avec une envergure assez faible. 86, et d'ailleurs, quand on regarde les avions modernes de la classe, des avions du transport d'affaires, notamment les avions de la classe d'assaut aviation, la voilure et cette flèche a pratiquement le même angle. On est tombé presque sur un coup de bol, sur la bonne inclinaison, et le reste, évidemment, quand je dis un coup de bol, c'est encore une fois empirique, et c'est arrivé après tous ces modèles qu'on a pu avoir en soufflerie, on voyait comment ils pouvaient se débrouiller. Et avec un moteur, ça nous permet de passer à des postes. Il y a eu effectivement dans le ciel de Corée un véritable effet de cidre. Dans quelques minutes, à travers le F-86 Sabre, qui deviendra à peu près un ami. Oui, il était véritablement son némésis et parmi les as de ce coup-là, un certain Nikolai Soutiagin, lui, avait revendiqué pas moins de 19 victoires. 19 victoires, c'est évidemment invérifiable. Ce pilote lui-même, d'un point de vue des registres officiels, n'appelait de manière officielle et pourtant, ils armaient et ils formaient ces différentes personnes. Ce modèle-là, on l'a retrouvé année après année. Et quand on regarde l'histoire, on a une grille de lecture un petit peu différente sur l'actualité. En tout cas, la forme de ce MiG, elle se reconnaît entre mille. Cette flèche extrêmement prononcée, ces séparateurs de filets d'air que l'on voit au sol très bien, et on les devine encore quand un avion passe. À la différence du F-86 qui aura une aile basse et donc un empennage cruciforme, on a fait le choix de lui mettre un empennage en pied. Efficacité en profondeur et avoir de la manœuvrabilité. On est sur des plages de vitesse qui dépassent tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici et donc on doit un petit peu réinventer les choses, notamment sur la structure même de l'avion. Alors d'un point de vue des matériaux, on est sur un amas de métal qui ne ressemble en rien à ce qu'on a connu par le passé. Et quand on va le voir, j'espère que vous avez pu en profiter au sol ce matin, c'est vrai qu'au sol il est particulièrement trapu. Oui, c'est un petit avion, il est très ramassé et redoutable. Il faut regarder la facilité d'évolution de cette machine. C'est une machine qui a 70 ans quand même. Derrière, on ne voit pas une recette qui marche, c'est un monde de renaissance. On a toute une série d'aéronefs, dont le MiG-17, qui est son noble successeur. Et oui, ces avions seront utilisés très longtemps par le bloc de l'Est, puisque je crois que les derniers appareils ont été arrêtés de vol il y a à peine une vingtaine d'années en Pologne. C'était une version qu'on appelait l'UTI, une version biplace. Ils avaient réussi à loger un deuxième cockpit, enfin en tout cas à doubler le placement pour loger un bonhomme. Et les Français d'ailleurs qui lui ont fait... Et cet avion nous vient de Pologne. Pour un nouveau passage, on va montrer ça n'est pas un avion supersonique, hein. Non, mais c'est un avion qui tutoie quand même les 1000 km/h. Vous savez que la vitesse du son, c'est pas une vitesse figée.